tout le monde. Excusez-moi, je n'ai pas la parole facile. Je suis née dans une famille comme tout le monde. Une mère et un père. J'ai grandi, j'ai mes grandes soeurs et mon grand frère et mon petit frère. Ma mère a fait 4 filles, 2 garçons. Donc je suis la dernière des filles. C'est comme ça qu'en grandissant, ma grande soeur a d'abord eu l'accident. Son copain a tiré sur elle 2 coups de fusil. Par la grâce du Seigneur, elle n'est pas morte, mais elle a un bras coupé, le bras droit. Elle vit avec un bras, le bras gauche. Elle est quittée parmi nous, elle est venue ici à Libreville, restée en province, en midi. C'est comme ça, je ne sais pas ce qui s'est passé. Un jour, ma mère m'a amenée à un quartier de chez nous, avec mon père et un de mes oncles. J'étais encore petite, j'avais l'âge de 10 ans. C'est comme ça qu'on est parti. J'ai vu cette femme donner de l'argent à ma mère, à mes parents. Donc, on est retourné. C'est comme ça, après... Après, ma mère me dit, non, tu vas aller vivre chez ta tante. Donc, cette dame, je ne savais pas, elle me dit que c'est ma tante. Donc, la dame avait vu qu'elle avait besoin d'une petite fille, puisqu'elle ne faisait pas d'enfants. Elle avait d'abord eu auparavant une femme comme ça qu'elle avait épousée. Elle avait fait 3 enfants. Et la femme est partie, je ne sais pas pourquoi. Donc, moi, je suis venue. Donc, ma mère a dit que je ne vais pas vivre chez ma tante. Donc, c'était en mariage. Chez la dame là. Je vous assure que ce n'était pas facile pour moi. J'ai vécu des situations difficiles. J'ai souffert. C'était un esclavage, en un mot. Tout ce que je pouvais subir là-bas, c'était de l'esclavage. En arrivant là-bas, elle a dit, je ne dois plus aller à l'école. J'étais en classe de CE1. Elle a dit à ma mère que je ne dois plus aller à l'école parce que je suis déjà mariée. Sinon, si je continue les études, je vais quitter et puis je vais aller loin. Une personne peut m'emmener. Et c'est comme ça que ma mère, n'ayant plus le pouvoir sur moi, elle ne pouvait rien faire. Mais ça n'arrangeait pas. Et moi aussi, j'étais là. Je ne partais plus à l'école comme les autres. On partait au champ. On partait au champ, c'était la vie. Tu as besoin de quelque chose, tu pars au champ, tu fais ton manioc, puisque j'avais les plantations, je vivais de ça. Tu pars faire ton manioc, tu as besoin d'acheter quelque chose, tu fais ton manioc, tu vends, tu achètes ce que tu veux. Mais pourtant, elle était une grande dame qui avait de l'argent, elle pouvait acheter des voitures, machin et tout. Mais moi, ce n'était pas le cas, elle s'occupait plus des enfants de la dame qui était d'abord partie. Donc, elle avait en fait la haine, je ne sais pas, parce que la femme, elle était déjà partie. Donc, à elle, se disait que celle qui vient là, c'est sûr qu'elle aussi va partir. Donc, c'est moi qui payais tous les pots cassés. Moi qui subissais. Donc, elle ne me gardait pas comme elle avait dit à ma mère qu'elle devait me garder. Et je me lamentais, je pleurais tous les jours. Dans la maison, c'est moi qui faisais tout. Et pourtant, il y avait les autres enfants. C'est moi qui faisais tout. Pour aller laver le linge, c'est son mari, elle, tu reviens, tu prépares, c'est toi qui fais tout. Tu pleures, tu vois les autres enfants sont assis, mais c'est toi qui es là, c'est toi qui travailles. J'ai supporté, j'ai grandi. Et c'est comme ça, quand j'étais là, elle allait chercher son neveu pour qu'il vienne rester avec moi, donc mon mari. C'est comme ça que... Ils m'ont dit non, tu ne dois plus dormir dans ta chambre, il faut déjà aller dormir dans la chambre de ton mari. J'ai dit, il n'est pas mon mari. J'étais jeune, je ne voulais pas qu'on me donne quelqu'un et puis j'étais encore petite. C'est comme ça qu'ils m'ont forcé, je suis partie dormir, ils m'ont mis les bagages, les choses là-bas. C'est comme ça que ça n'allait pas et me forçait des choses et puis...
je ne pouvais rien. J'ai su tomber enceinte de ma première fille. Toujours en train de faire les chants. Tu pars au chant, tu enseignes, tu fais tout. Mais par la grâce du Seigneur, puisque le Seigneur connaît ses enfants. Le Seigneur connaît ses enfants. Dans les situations dans lesquelles tu peux te trouver, tu te dis que le Seigneur ne te connaît pas. Il connaît. Il connaît celui qui va le servir. J'ai traversé des moments difficiles. J'étais enceinte, je partais au champ jusqu'à quand j'ai accouché. Tu as l'enfant à la main, le panier au dos. Tu veux acheter quelque chose, l'enfant est malade. Avant de donner quelque chose, il faut d'abord t'ingérer. Tes parents, machin, ça insultait mes parents. Ma mère était même décédée avant que on me donne ce gars-là. Je suis restée là, je souffrais vraiment beaucoup. C'est comme ça que le gars-là est parti. Parce que je ne voulais pas, en fait, je ne voulais pas. Ça n'allait pas. Il y avait un monsieur là, on m'a encore donné, un vieux, il était plus âgé beaucoup de moi, parce que moi je n'avais que, j'avais 14 ans avec le premier, et l'autre j'avais déjà 18 ans. C'est comme ça que je ne pouvais rien, et lui travaillait, c'était un papa qui travaillait au cadastre. J'ai fait deux enfants avec lui, et c'est le monsieur qui faisait maintenant tout dans la maison. Et la dame ne voulait pas que je laisse le monsieur partir parce que je ne voulais pas. C'est lui qui faisait, qui payait l'électricité, c'est lui qui payait à manger, machin, tout. Donc elle ne faisait plus rien. C'est moi qui étais maintenant là, vers, je ne sais pas. Donc en faisant les enfants comme ça, l'enfant n'appartient pas à l'homme qui fait l'enfant avec moi, ou bien moi, les enfants les appartiennent à eux, elle et son mari. Donc ce qui fait que quand je fais l'enfant, elle donne le nom à son mari. C'est lui qui porte le nom de qui donne le nom. Donc, et ce qui faisait que quand ces gens-là ont vu ça, eux aussi ils ont lavé les mains. Ce qui fait que je me retrouve aujourd'hui avec les enfants seuls. Bon, avant de me retrouver avec les enfants seuls, je suis restée là, ça n'allait pas, je pleurais, vraiment j'ai beaucoup pleuré. C'est comme ça que je suis allée vers mon père, je lui ai demandé que qu'est-ce qui s'est vraiment passé, qu'est-ce que je vous ai vraiment fait pour que vous me preniez pour aller me mettre dans cette situation. Il me dit non, c'est pas moi. Mon père était venu rester avec ma mère. Ma mère était déjà mariée avant. Comme les femmes ont des choses bizarres, quand tu es marié à la coutume, donc si ton mari meurt, tu t'attrapes encore un homme. Si tu fais les enfants là sont toujours les enfants de ton premier mari. Donc lui là, il n'a pas l'autorité. Il me dit, c'est pas moi, c'est ta mère qui a décidé. Moi je ne pouvais rien. Et ma mère était déjà décédée. Mais je dis, mais faites quelque chose, je fais comment? Vous voulez que je meure? Parce que là je n'arrive plus, je ne peux plus supporter. Je ne peux plus supporter. Comme ça que en 2002, j'ai fui, j'ai laissé les enfants. Je suis venue ici à Libreville. Je suis venue ici. Avant de venir, excusez-moi, elle a commencé à me demander de lui rembourser la dot. La dame a commencé à me demander de lui rembourser la dot parce que je n'étais plus soumise. En fait, je ne faisais plus comme elle voulait. Parce que j'avais déjà grandi. Moi aussi, je voyais que s'il faut que je meure, je vais mourir. Je ne voulais plus. Tout ce qu'elle me demandait, je ne voulais plus. C'est par la grâce de Dieu que je suis là aujourd'hui. Parce que je pouvais m'attraper des maladies. Je pouvais me ramasser n'importe quoi, mais c'est le Seigneur qui m'a préservé. Je ne savais pas. C'est comme ça que elle m'a amenée à la mairie de la ville de la place, pour dire que je dois lui rembourser sa dot. Même les gens là-bas étaient étonnés. Est-ce que c'est moi qui a pris ta dot? J'ai commencé à expliquer la situation dans laquelle je vivais. Et on est sorti là-bas. C'est le Seigneur qui parlait à ma bouche, parce que moi je le disais ce que je vivais. Et là-bas, les gens ont dit à la dame non. Comme ça que les gens ont dit à la dame non, tu n'as pas à amener ici, va seulement arranger. Et ça n'allait pas. C'est comme ça que je suis venue ici à Libreville. Je suis venue, quand je viens, derrière on me dit les enfants souffrent et tout. Quand les enfants sont restés, pas à l'école. Les enfants, elle a commencé aussi comme elle a fait avec moi. Les enfants ne partaient pas à l'école. C'est comme ça que, par la grâce du Seigneur, j'ai commencé à travailler, à faire le ménage.
travailler ménagère par-ci par-là. J'ai dû travailler 500 000. J'ai dit, je m'en vais rembourser la dot là pour que je puisse récupérer mes enfants. C'est comme ça que je suis descendue. J'ai d'abord passée à la mairie. J'ai dit, je suis venue rembourser la dot. Mais on m'avait conseillé de ne pas donner tout. Je suis allée donner 300 000. Après, elle avait dit, non, même si tu donnes, tu n'as pas le droit d'aller voir même les enfants, puisque tu as dit que tu pars, tu laisses les enfants. C'est comme ça que je suis revenue en libre-vie. Par la grâce du Seigneur, j'étais là. Je ne connaissais pas le Seigneur dans tout ça. Je ne connaissais pas le Seigneur, j'étais païenne. J'étais païenne. Quand j'étais là, libre-vie, vraiment, je faisais tout et n'importe quoi. Parce que tout ce que j'ai vivé là-bas me donnait la haine. J'avais la haine contre ma propre fille. Je voulais même mourir. Je voulais mourir parce que je faisais du mal. J'étais une pourriture. Je pouvais aller avec les hommes n'importe comment. Je pouvais sortir pour dire que je vais aujourd'hui qu'on me viole. Que je meurs même. J'habitais au quartier à gauche. Je partais au couloir de la mort seul pour chercher la mort. Mais Dieu me préservait. C'est comme ça que mon petit frère, lui, il avait accepté le Seigneur depuis, je ne sais pas comment ça s'est passé dans sa vie. Il me parlait de Dieu. Il me dit, il faut accepter Jésus. Et je faisais aussi tellement des avortements quand j'allais avec des hommes comme ça. J'ai pu faire peut-être 9 avortements dans ma vie. Parce que je disais que je ne veux pas laisser les enfants là-bas, chez la dame là. Parce que j'ai encore ça, son argent comme des enfants. Si tu as l'argent de quelqu'un, tu veux les enfants, il vient arracher, il amène. Je dis, je ne fais plus d'enfants. Le diable m'a pris. Il a mis la haine dans mon cœur. Il a mis la haine. J'ai commencé à enlever les grossesses, j'attends la grossesse, j'enlève. Je pensais que c'était bien, non, c'était pas la solution. Je devais tout simplement arrêter d'aller avec les hommes, arrêter à la racine. Mais ce n'était pas la solution. C'est comme ça que Dieu m'a fait grâce de le rencontrer. Sur le lit de l'hôpital, j'étais en train de prête à mourir, par un avortement aussi. Parce que je partais déjà, c'est comme ça que mes voisins sont venus me soulever à la maison, seul avec mes enfants. Ils m'ont emmené en clinique et on a dû me faire un curetage sans me faire mettre l'anesthésie parce que le médecin a dit que si on lui met ça, elle va mourir. Donc, ils m'ont fait ça comme ça, cru. C'est sorti de là que j'ai accepté le Seigneur. J'ai réalisé vraiment que le Seigneur m'aimait. Tout ce que j'ai pu faire, tout ce que j'ai fait vraiment sur moi. Parce que les gens ont fait, mais moi-même j'ai aussi fait. J'ai vu que vraiment j'ai détruit ma vie. J'ai détruit ma vie. Par la grâce du Seigneur, j'ai rencontré le Seigneur. Aujourd'hui, je ne mérite même pas de parler au milieu de vous. C'est le Seigneur qui m'a fait grâce. C'est une grâce du Seigneur de parler devant vous, les saints. C'est le Seigneur. Parce qu'on n'a rien à manger, je refuse. Je dis, je ne veux pas participer au péché. Je vous prêche l'évangile. Donnez vos vies au Seigneur. Ne faites pas comme moi. Moi, je n'ai pas eu cette grâce de rencontrer le Seigneur étant jeune. Mais moi, votre mère, j'ai connu le Seigneur. Je vous transmets la vie parce que le chemin, la vérité et la vie.
Seigneur parce que on peut dire tout ce qu'ils ont dit sur moi, mais ce n'est pas le Seigneur qui a dit ça. Le Seigneur n'a pas encore dit tout le dernier mot dans ma vie. J'ai déposé des dossiers pour le travail par-ci, par-là, mais le Seigneur a grâce. Je ne savais même pas. Un jour, ma cousine est venue me voir. Va voir un peu là où je travaille là-bas. Tu peux demander aussi que tu veux travailler. C'est comme ça que j'ai dit, ah, je vais partir. Je suis partie. Je suis allée voir la directrice. C'est comme ça que j'ai dit, madame, je cherche le travail. Elle dit, tu cherches le travail. Est-ce que tu as les diplômes? J'ai dit, non. Je n'ai pas de BPC. Maintenant, je vais te donner quoi? Moi, si tu avais un BPC, je pouvais te donner quelque chose. Mais là, je ne peux rien. C'est comme ça que je suis trouvée là-bas, abattue. Je pleurais même. Je suis venue m'asseoir. Mais ce n'est pas Jésus qui a dit ça. Jésus n'a pas dit qu'il n'a rien pour moi. Même si je n'ai pas les diplômes. Je suis venue m'asseoir. Abattue, je vendais à l'entrée de chez moi la banane. Je mettais ma banane là, je pleurais le matin là. C'est comme ça que la femme qui vendait avec moi, que tu n'es pas la seule vraiment à passer des coups comme ça. J'ai vraiment souffert, j'ai vendu les parfums. J'étais vraiment une battante. Le Seigneur vraiment m'a fortifié la force. Parce qu'il dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Tu ne vas pas passer tout ton temps à commander, à demander. Tu as les bras, tu as les mains, tu peux travailler. J'ai travaillé. Je suis rentrée dans le commerce. J'ai vendu les parfums, j'ai vendu les habits. Je vends le poisson, grillé, les attaques, les tubercules pour pouvoir survivre avec mes enfants. Et le Seigneur, dans sa grâce, suscitait toujours ses enfants pour me venir en aide. Quand je suis malade et qui appelle, oh Thérèse, c'est comme on vient prendre ci, vient prendre ça. Je bénissais seulement le Seigneur. Un jour, un voleur est venu. Il a fallu rentrer chez moi. Je ne sais pas ce qu'il voulait venir prendre. Ma fenêtre était enfermée avec les pointes comme ça. Donc il fallait seulement qu'il enlève avec le couteau. Mais il a fait ça, il a fait pour vouloir enlever les pointes avec le couteau. Il n'a pas pu. J'entendais le bruit là, puisque je ne dors pas profondément parce que c'est que je suis seule avec les enfants. Le Seigneur est là. Je me réveille, je descends de lui, je regarde un peu autour de la fenêtre. Je vois un homme debout, mais il a caché son visage. J'ai eu la chair de poule. J'ai crié fort, voleur! J'ai poussé la fenêtre vers là. Je crois que la fenêtre l'avait cogné sur la tête et il est parti en courant. Je suis restée là à crier voleur, voleur, voleur. Personne n'est sorti. Personne n'a même demandé chez lui qu'est-ce qui se passe là-bas. Je me suis rendu compte que vraiment je n'avais pas personne si ce n'est que le Seigneur. Si ce n'est que Jésus pour me garder. Parce qu'il dit que l'ange de l'Éternel campe autour de toi. Je vois seulement mon téléphone qui sonne. Thérèse, j'ai dit oui. Je suis la directrice de la banque de sang là où tu es venue hier. Il faut que tu amènes le dossier demain. Tu as déjà fait le dossier. J'ai dit non. Fais le dossier demain. Demain, tu amènes ça. J'ai dit le Seigneur. J'ai dit Seigneur. Hier, elle m'a dit que je n'avais pas de diplôme. Mais aujourd'hui, tu as touché à son cœur. Tu as dit, c'est ma fille. Ma fille est en train de pleurer comme ça. Tu dis qu'elle a un emploi. Il faut qu'elle viens demain, tu viens commencer. C'est comme ça que j'ai commencé. Et je suis là-bas, une femme de distinction selon Dieu. Je ne suis pas allée là-bas dans l'agitation. Je n'ai pas ouvert ma bouche pour une chrétienne, je suis chrétienne. Je ne suis pas allée voir les gens dire, donner une fausse à Jésus, machin, non.
Eux-mêmes, ils ont senti parce qu'une différence, une distinction. C'est comme ça. Quand ils pouvaient parler de leurs choses impures, c'était tout simplement mon corps. Parce que je ne voulais pas ouvrir mes oreilles. Quand ils parlaient de n'importe quoi, je sortais. Et je leur disais que moi, je ne suis pas dans tout ce que ça vous parlait. C'est comme ça. Mais toi, je suis comment? J'ai dit, moi, je crains le Seigneur. Mais nous tous sommes chrétiens, vous êtes chrétiens, mais la vie, les choses que vous parlez là, la Bible dit qu'on ne doit pas sortir d'aucune parole grossière dans notre bouche, aucune parole de grossièreté. Mais vous êtes des chrétiens, c'est pas normal. Ça, on s'est parlé encore hier, on avait la fête du 1er mai. C'est comme ça qu'on était là. On va dire maintenant que qui va venir le repas? Nous tous sommes des chrétiens. Moi j'étais là puisque la guérisse m'a dit de partager les t-shirts et les casquettes, je partageais. On a dit, une maman, hein, elle a dit, bon elle n'a rien dit, c'est comme ça qu'ils ont dit, mais Thérèse est là. J'ai dit, je bénis le Seigneur, parce que c'est lui qui sait me distinguer. Moments difficiles comme moi. Oh, je veux vraiment que vous saisissez vraiment cette grâce que le Seigneur met devant vous. Saisissez la grâce. Parce que moi, je n'ai pas laissé la grâce passer lorsqu'on m'a parlé de Jésus. J'ai saisi. J'aimerais chanter un cantique. Excusez-moi. Ouais, chanter un cantique. Moi qui étais